quelqu'un est designer de Boomerang, donc je suis installé ailleurs depuis 6 saisons maintenant. Wallaby Boomerang, en fait, je l'ai créé au Québec il y a 30 ans, ça fera 30 ans l'année prochaine, donc ce sera mon anniversaire. Et donc je conçois des boomerang de sport parce que je pratique le sport à haut niveau depuis 40 ans. Donc c'est très peu connu, mais c'est vrai que voilà, c'est un jeu d'adresse qui existe depuis 15 000 ans, donc c'est pour ça qu'il y a un petit côté historique aussi dans mon atelier qui explique un petit peu d'où vient le boomerang, et puis après on peut admirer toutes les collections que je fabrique ici. Donc un très bel objet avec lequel on joue toute l'année, en plein air, sympa pour toute la famille aussi. Alors le boomerang, la principale matière que j'utilise évidemment c'est du bois. Donc c'est des contreplaqués de très haute qualité avec lequel on fabrique des avions. Donc en général, bon, il a cette couleur-là, c'est du bouleau finlandais en fin de compte. Et là, il est plaqué avec du noyer, ce qui lui donne un petit côté vintage, bois ancien que j'aime bien, qui est en rapport aussi avec les couleurs aborigènes que je fais, donc des couleurs très contemporaines évidemment, inspirées des symboles australiens. Donc là, je tombe réellement dans le cliché, alors que évidemment, les boomerangs sortis du modèle traditionnel, ce sont des formes très contemporaines qu'on utilise en compétition maintenant. Donc je m'en suis inspiré pour faire ces collections-là pour toute la famille. Et donc on va retrouver souvent des modèles, ce qu'on appelle des tripales, qui sont à trois ailes, puisque le principe de l'aile d'avion est appliqué au boomerang pour qu'il puisse voler et revenir. Donc tout ça, c'est conçu à la main, évidemment, avec des gabarits. Donc moi, je découpe à la scie sauteuse mon contreplaqué. Ensuite, je fais les profils, finition à la main, et puis évidemment, peinture à la main et signé. Donc. Alors c'est vrai que le phénomène du sport du boomerang n'est pas connu. En fait, ça fait quand même 15 000 ans qu'on joue au boomerang. C'est un jeu d'adresse très très ancien. Et c'est vrai que la compétition ces dernières années a fait évoluer un peu les designs. Donc l'intérêt du boomerang, évidemment, c'est un objet physique là, qui est unique sur la Terre, puisqu'on le lance, il revient à soi, donc il n'y a pas d'électronique ou quoi que ce soit. Donc c'est réellement l'aile d'avion, le gyroscope, la forme, le profil, la largeur des ailes qui fait que le boomerang, lancé d'une certaine manière, va revenir vers le lanceur. Et donc on a greffé des épreuves qui sont particulières par rapport à la dynamique du boomerang, à la physique du boomerang. Donc, en plus du lancer rattrapé qui est classique, on va par exemple jongler avec des boomerangs, on va en lancer deux en même temps. Au rattrapage, on va faire quelquefois des figures acrobatiques, on va faire de la vitesse aussi, on va calculer le temps de vol entre un lancer ou cinq lancers. On va faire l'endurance, on va lancer plusieurs fois de suite son boomerang à un minimum de temps. On peut faire une épreuve de distance aussi, on peut calculer le temps qui reste dans les airs. Donc la maison du boomerang est ouverte là en saison après donc du lundi au samedi de 10h à 13h, genre 15h à 19h voire 20h, plus les nocturnes que la ville peut organiser aussi dans l'été là. Donc je suis vraiment là à temps plein tout l'été là.